Monsieur Jean-Marc Sylvestre est arrivé. Monsieur Jean-Marc Sylvestre est un journaliste économique très connu. Il a publié, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Olivier Pastré, le roman vrai La crise financière, hein, dont j'ai dit que la présentation du mécanisme des subprimes était vraiment très agréable à lire. Donc, monsieur Jean-Marc Sylvestre, merci d'être là. Et quelle régulation donc pour le futur? Dans votre livre, vous présentiez des pistes. Donc, où en êtes-vous maintenant avec les évolutions? Le vert, oui. Là, comme ça, voilà. Merci. Mille excuses d'abord d'être en retard. Je vais essayer de prendre votre débat en route et de ne pas. Pardonnez-moi si je suis amené à répéter un peu ce qui est peut-être ce qui a été dit enfin, jusqu'à maintenant. Alors, la question que vous me posez sur quelle régulation, je ne suis pas sûr d'être parfaitement compétent pour ce genre de choses. C'est vrai qu'on avait dressé des pistes dans le livre qu'on avait fait avec Olivier Pastré, connaissant Olivier Pastré, qui, je crois, est intervenu ce matin. Vous imaginez bien que ça a fait l'objet de discussions un peu longues et un peu. Non, non, ça n'a pas été violent, ça a été. Ça a été assez amical. Nous sommes restés très amis. Nous continuons de nous voir. Et franchement, ça a été une collaboration formidable, surtout à l'époque où on l'a fait. C'était une époque, je crois que Patrick Artus ne mentira pas. On ne croyait pas beaucoup à la gravité de la situation. Et je me souviens encore de l'éditeur, quand on avait présenté le livre, il nous avait dit, mais on ne peut pas publier ça. Nous étions en mars, février de l'année dernière. Il y a juste un an, ouais, février de l'année dernière. On ne peut pas publier un bouquin comme ça parce que c'est pas vrai, ça ne peut pas, ça ne va pas se passer comme ça, c'est trop grave. C'était d'ailleurs pour cette raison que j'avais proposé à Olivier de faire toute la première partie sous forme de science-fiction. Comme vous dites, c'est le côté agréable de la présentation des subprimes. Alors, pour revenir à votre sujet sur la régulation, moi, j'ai pas de conviction et j'ai pas d'idée. Ce que je sais, c'est que y a beaucoup moins de débats qu'on ne l'imagine, c'est-à-dire que, ou qu'on ne l'a imaginé. Merci d'avoir commencé à parler subprime parce que je voulais dire, mais sauf ce que tout le monde sait, c'est que les subprimes, c'est une invention de la régulation et de la régulation d'État, et que c'est une invention du pouvoir politique. Et c'est le pouvoir politique qui a créé les subprimes aux États-Unis pour des raisons strictement politiques, et on voit bien où ça nous a emmenés. Je crois que on aurait laissé faire le marché des banquiers sur les subprimes, on n'aurait jamais fait les subprimes. Hein. On aurait peut-être fait du surendettement un petit peu comme en France, avec des réglementations. Et des essais et des thérapeutiques un peu comme en France, mais on n'aurait pas débouché sur cette vague. Enfin, j'ai tendance à l'imaginer. Donc, ce que je voulais dire simplement, c'est que le débat sur la régulation, à mon sens, hein, n'est absolument pas politique, il n'est pas idéologique, et je crois que c'est un peu dépasser ça. Et on n'est pas dans le sujet quand on traite de l'idéologie sur la matière régulière. Je vous dis ça parce que. Bon, j'ai travaillé avec Olivier pas mal pendant un an là-dessus. J'ai interrogé tous les économistes, tous les banquiers. J'ai passé et j'ai encore été frappé de ce que j'ai retiré, par exemple, à Davos il y a 15 jours. Je crois profondément aujourd'hui que dans le monde entier, de New York à Londres, en passant par Paris et Pékin, tout le monde fait la même analyse de la crise économique, de la crise financière d'abord, de la crise bancaire et de la crise économique. Il n'y a pas de divergence profonde sur les raisons de la crise et sur les raisons pour lesquelles elle s'est développée et qu'elle s'est contaminée au reste du monde. Tout le monde est à peu près d'accord sur le diagnostic. Je dirais même, deuxième chose, que tout le monde aujourd'hui, la majorité des acteurs du système économique et financier, à l'exception peut-être des anglo-saxons, et on y reviendra tout à l'heure, est d'accord sur ce qu'il faudra faire après, en matière de régulation, en matière de transparence, en matière de rémunération des traders. C'est-à-dire, en gros, ce qu'il faudra faire après, c'est-à-dire une élimination progressive de tous les facteurs procycliques qui ont pu être introduits dans le système et qui nous ont amenés au bord de l'explosion du credit crunch d'abord et puis ensuite du bank run et d'une catastrophe, une véritable catastrophe comme celle qu'on a frôlée en octobre
2008. Et qui peut encore se reproduire, parce qu'une deuxième crise bancaire n'est pas à exclure, compte tenu des difficultés économiques qui s'étendent dans le milieu. Donc, je crois que sur les réformes, je pense que tout le monde est d'accord. Alors, là où il y a un grand point d'interrogation aujourd'hui, c'est que pour passer du point A au point B, on a beaucoup de difficultés. Et que personne ne sait exactement ce qu'il faut faire. Et on s'aperçoit bien que toutes les outils techniques classiques de type keynésien, des injections de monnaie, etc., etc., sont un peu inopérants, quoi. Bon, tous les pays font à peu près la même chose, même si ça s'appelle de façon différente. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit débat sur est-ce qu'on crée une back band ou pas, est-ce qu'on nationalise complètement ou est-ce qu'on garantit les crédits. Mais tout ça revient finalement quand même à prendre en charge au niveau de l'État une partie de la circulation du crédit, une partie de des créances, une partie du système, c'est-à-dire c'est le réassureur en dernier ressort, c'est le contribuable, et je crois qu'on ne peut pas échapper, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis ou en France ou en Allemagne. Donc, tous ces outils-là sont inopérants. Et on sent bien qu'il faudra une grande opération politique, parce que c'est un problème de confiance, parce que le système capitaliste, il est ainsi fait. Je fais des affaires avec vous parce que j'ai confiance en vous. Si je n'ai plus confiance en vous, je ne fais plus d'affaires. Et ce système-là est cassé. Ce système-là est cassé. Donc on sent bien qu'il va falloir quelque chose au niveau politique, une prise de position politique forte, pour pouvoir espérer restaurer le système de confiance, qui est absolument indispensable aux outils techniques, aux outils de réamorçage de la pompe, etc., etc., etc. Alors, c'est évidemment au G20 que l'on pense, et que le G20 est en train de se préparer à essayer de réformer un peu le système économique dans lequel on vit, et d'éviter qu'il déborde, et de montrer aux acteurs mondiaux qu'on va essayer de retrouver un code moral, un code de comportement, un code éthique, tel qu'il avait été d'ailleurs fait autrefois par les premiers animateurs du système capitaliste, protestants, émigrés aux États-Unis, etc. Bon, il faut retrouver cette rigueur-là, parce qu'on sait très bien que c'est cette rigueur-là qui a fait défaut et qui a dévoyé. Donc, on sait bien qu'il faudra revoir les normes de comptabilité, revoir les normes de liquidité, pas forcément les réformer complètement, hein, mais il va falloir s'y atteler, voir le réanimer, trouver les moyens de réanimer le marché de la titrisation, le marché de la liquidité. Il faut réanimer, bien sûr qu'il faut le réanimer. On va pas pouvoir tout mettre dans des bad banks, et d'autant qu'il y a des choses qui sont encore bonnes, qui sont aujourd'hui illiquides, mais qu'il faut rendre liquides. Améliorer la transparence, éliminer, si on peut, tout ce qui est hors bilan. Ça, c'est ça le nœud du problème, c'est que quand vous aviez des banques avec des produits assez sophistiqués qui vont accumuler des milliards de dollars en dehors même de toute régulation, de toute surveillance dans les hors bilans, c'est bien ça qu'il faut réanimer. Bon, ça passe par une réforme des paradis fiscaux, etc., etc. Ça passe par un contrôler, limiter, plafonner le leverage et tout ça. Tout ça, ouais. Alors, est-ce que ce sera possible ou pas? J'en sais rien. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que la préparation, notamment la préparation du G20, est difficile. Elle est difficile, elle n'est pas évidente, parce que vous avez des lobbies internationaux, et notamment le lobby anglo-saxon, qui est en train de s'opposer à toute réforme des réglementations. Je ne dis pas qui s'oppose à plus de régulation, à la seule réforme de régulation. Et on comprend pourquoi, d'ailleurs. On comprend. La Grande-Bretagne s'est donnée comme stratégie économique depuis 20 ans de devenir le centre mondial du offshore financier. Le lieu où, dans le monde, la première place financière du monde. Hein. Et pour devenir elle est devenue la première place financière du monde, la Grande-Bretagne. Et pour devenir la première place financière du monde, eh bien, elle a pris un certain nombre de libertés avec les normes, avec les règles, avec la déontologie. Elle a pris ce genre de liberté. Parce que quand vous accueillez à bras ouverts
les Russes comme Abramovski avec ses milliards de capitaux, eh bien vous êtes bien obligé de fermer les yeux sur l'origine des fonds. Et vous pensez bien que les Russes, ils ne viennent pas investir dans le stade, dans un club de foot et des milliards parce qu'ils aiment le foot. Ils viennent là parce que c'est un centre où on va pouvoir faire des affaires. Donc, il y a aujourd'hui dans le monde une place financière, je le dis comme je le pense un peu brutalement comme ça, qui a tendance à s'opposer pour sauver son industrie, qui représente une part très importante de son PIB, à la régulation. Et donc c'est une opération politique, beaucoup plus qu'une opération technique, que les Européens ont engagée, que les Américains vont peut-être engager. On a même le sentiment que l'administration américaine est en train d'engager. On aura peut-être des signes ce week-end au G7 Finance à Rome, puisque le secrétaire d'État au Trésor américain vient pour la première fois. Ils ont engagé une opération de lobbying, de conviction, de persuasion auprès des Anglais pour qu'ils acceptent des instances de régulation. Mais je vous dis, au niveau de la régulation, vous me direz ce que vous en pensez, je pense que tout le monde est à peu près d'accord. Il y a des oppositions d'intérêts de type corporatiste très fort du côté anglo-saxon à une amélioration et un resserrement des règles. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Et en vous demandant encore de me pardonner pour le retard que j'avais. Je vous remercie, Monsieur Sylvestre.